that you have nothing left to say. But now that you've had a few words that were lost, have found. Ah oui, c'est un repère, c'est vraiment, les Américains appellent ça des milestones, c'est des bornes en fait, kilométriques, des bornes de Miles, mais il y a le mot Miles Davis dedans, alors c'est bon. Et c'est l'image, c'est le truc que j'ai eu tout à l'heure en venant ici. On se rend pas compte, on travaille, on fait j'en suis à mon troisième album de jazz avec sur mes origines, tout ça, ça fait 10 ans, je suis en cure de désintoxication vocale, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tout d'un coup, au milieu d'une tournée, vous vous retrouvez là et vous dites « Ah ouais, quand même ». Donc ça signifie quand même qu'il y a un chemin qui est parcouru et pour nous, les musiciens, c'est le plus beau repère qui soit.
jazz club, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, en fait, dans les festivals de jazz à Jouan ou dans quels que soient les festivals de jazz du monde entier. C'est une institution où les artistes qui se présentent sur, qui présentent leurs projets personnels sur la grande scène ont l'opportunité aussi d'aller, après leur concert, continuer de prendre des risques cette fois et de se mettre un peu dans une autre zone qui est leur zone habituelle de confort, quoi. Donc c'est un peu un endroit où tous les artistes qui sont passés la veille, qui passeront ce soir, qui passeront le lendemain, ceux qui sont en même temps dans l'hôtel, ils ont l'occasion de jouer tous ensemble et ça fait un mélange des genres qui est incroyable, c'est ça la musique, quoi. It's always very, very nice to be here, back here, because I guess I've been here many times. I think first time I came here was actually for a competition when I was 16 years old. Yeah. A lot of memories. I've met and I've heard and I've jammed with amazing musicians throughout the years here. Je ne sais pas si je suis reconnue comme une chanteuse de jazz, mais c'est quand même un honneur d'être invitée ici. Comme vous dites, c'est un festival légendaire. Bon, alors le jazz aujourd'hui, évidemment, si on pense à Miles Davis, si on pense à Billie Holiday, le jazz aujourd'hui, c'est la plus belle musique qui soit. Inclut le free jazz, les improvisations. Après, moi, je fais des chansons et la partie de mes chansons qui est reliée au jazz, c'est surtout sur mon dernier album. Thank you.
commencé dans les années 80 de jouer la musique avec les plus grands chanteurs du monde, avec Roberta Flack, avec Chaka Khan, Aretha Franklin. Mais j'ai décidé dans les années 90, c'était important pour moi d'être un instrumentaliste pour faire la concentration dans ma basse, dans mes arrangements, pour les autres musiciens instrumentaux. C'était très important pour créer une identity. Okay? Je suis un musicien. Je suis un musicien, je suis très sérieuse de ma basse, etc. Maintenant, après 15 ans, 20 ans d'avoir fait les enregistrements instrumentaux, peut-être c'est cool pour moi de faire les albums avec les chanteuses comme Céla Sou. Et je pense que c'est le moment pour commencer de faire quelque chose de différent maintenant. Je me souviens aussi de Sting qui, moi j'écoutais le concert sur le côté, comme tous les fans, et puis à un moment donné je l'entends dire « Ibrahim Malouf », et puis je cours comme un dingue chercher ma trompette dans les loges pour venir jouer avec lui alors que c'était pas prévu. Enfin, j'ai pas mal de souvenirs ici et ça me fait également vraiment plaisir d'être là. Je crois que ce festival a pour mission aussi, depuis le départ, je crois, d'aller vers cette évolution naturelle des choses. Une musique qui n'évolue pas, un peuple qui n'évolue pas, finit par mourir. Donc, à partir de cet instant-là, ce qu'on fait aujourd'hui sur scène, ce soir, qu'on va présenter au public, moi, j'espère sincèrement que ça leur permettra de réfléchir à la beauté, à la force de l'union des êtres humains sur cette planète, de ne pas vivre les séparés les uns des autres, et que sans l'autre, on n'existe pas. Et que par le fait que les réseaux sociaux existent aujourd'hui, beaucoup de gens ont oublié que s'ils ne sortaient pas de leur bulle, ils perdraient beaucoup d'eux-mêmes. Je veux qu'ils viennent ce soir, ce concert, de prendre leur intégrité encore en main et de se servir des réseaux sociaux pour créer un monde. Boom. Boom. Then a rang. Now watch it come back.